Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que t'as pas le temps de t'occuper de ton dos et c'est que pour ça que t'as mal au dos? Je veux bien te croire. Vraiment, c'est tout à fait vrai, hein. Le dos, c'est soi-disant le mal du siècle, c'est en avoir plein de dos. Mais à un moment donné, tu sais, c'est aussi être capable de se reprendre en main. Alors soit on peut se faire aider par des thérapeutes adéquats, des psychologues, des kinésithérapeutes, des ostéos, des médecins. Et puis il y a aussi une part où quelque part, ça va dépendre de toi. Accepter de prendre du temps pour toi. Accepter de prendre du temps pour s'occuper de soi. Et oui, c'est tout un travail sur soi. Donc c'est cette semaine, ce qu'on va voir tout au long des exercices, c'est être capable d'y penser, être capable de s'autocorriger. On avait vu tout au long de la semaine précédente des exercices pour apprendre à mobiliser son dos avec le fameux reminder pour penser en permanence à bouger son dos. Maintenant, je vais vous montrer des exercices simplissimes pour renforcer votre dos tout en étant en voiture, au boulot, en train d'envoyer un texto ou en ayant un squelette absolument flippant avec une perruque sur la tête, en train de vous regarder de ses yeux les plus langoureux. Ça marche? On attaque ça. L'exercice aujourd'hui est le plus simple de la Terre. La seule chose qu'il faut, c'est prendre le temps de le faire. On va venir chercher, en fait, une véritable érection du rachis. Vous allez vous grandir. Imaginez que vous avez un fil à plomb qui passe par le haut de la tête et qui finit dans le sacrum. Venir en rotation externe des bras, fixer les omoplates et vous grandir. Vous allez maintenir ça pendant 30 secondes. 10 fois. C'est simplissime, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la vie au quotidien. Juste, tiens, allez, je prends un peu de temps pour moi et pour mon dos et pour ma santé et pour ma vie. J'ai besoin de bouger. Soyez acteurs, les gars. Salut.